Si vous aimez les éléments, si vous aimez la météo, si vous aimez le littoral vendéen, vous feriez bien de rester avec nous pour ce tout nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Kevin ? Alors moi, c'est Blangis Kevin. J'ai 25 ans, j'habite à Saint-Hilaire-de-Riez depuis mes 3 ans déjà. En dehors de la météo, du coup, je suis informaticien à domicile. J'ai créé mon auto-entreprise il y a quelques années maintenant. En dehors de ça, sinon, la passion première, c'est tout ce qui est concerts, festivals, etc. C'est vraiment la chose la plus importante. Avec également la photo, très importante aussi la photo, j'adore la photo, les photos de paysages, etc. Tu fais des photos de paysages surtout ? Ouais, avec le décor qu'on a, c'est très agréable. Oui. Hein, voilà. À l'image de cette carte postale emblématique de Saint-Hilaire-de-Riez, avec les 5 pinots, c'est ça ? C'est ça. Ce qui est agréable ici, c'est que tout le temps, on change toujours de décor, quoi, tous les jours. L'océan n'est pas le même, le temps n'est pas le même, la luminosité n'est pas la même, c'est toujours très agréable la photo. Et toi, dans ton activité professionnelle d'informaticien indépendant, je crois que tu aides aussi les seniors à être à l'aise avec leur ordinateur. Hein. Exactement, c'est ça. Oui. Je fais de la maintenance et des cours informatiques uniquement à domicile depuis deux ans maintenant. Kevin, est-ce qu'on peut dire que ta passion pour la météo, elle a démarré quand tu étais petit, à partir finalement d'une peur que tu avais à l'époque, à la fois pour le vent, mais surtout, je crois, pour les orages. C'est ça. Exactement. C'est vrai, quand j'étais petit, à chaque fois qu'il y avait de l'orage ou qu'il y avait du vent, à chaque fois, j'étais dans un état, mais j'avais peur, vraiment peur, quoi. Tu te réfugiais dans le lit des parents ou... C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé vraiment au phénomène. Et maintenant, j'attends que ça, quoi. J'attends qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des orages. Bon, les tempêtes, ici, c'est pas ce qui manque, hein, en général. Les orages, un peu moins, c'est plus dans le sud-ouest. Mais maintenant, j'attends que ça. Rien que pour la prévision, rien que pour informer les gens, les choses comme ça. Mais maintenant, j'adore ça, j'attends que ça, quoi. Alors qu'on explique à ceux qui nous regardent, ta passion pour la météo, elle t'a emmené, il y a quelques années, à créer une page Facebook, Météo Côtière Vendée, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà, qui est suivie par à peu près 15 000 followers, hein, qui suivent régulièrement, quotidiennement, finalement, tes bulletins que tu prévois pour la zone côtière vendéenne. Et du coup, c'est cette passion qui t'a emmené à réaliser cette page Facebook, c'était en 2017 ? C'est ça, c'est qu'en fait, au niveau des pages météo sur la Vendée, il y en avait quelques-unes déjà, hein, mais pas forcément sur le littoral, quoi. Donc c'est vrai que le climat du littoral et le climat des terres n'est pas forcément le même, quoi. Rien qu'au niveau des températures, des précipitations, des vents, etc., c'est pas du tout le même climat entre Saint-Hilaire, Saint-Gilles, toute la côte, ou la roche, les herbiers, etc. Bien sûr, sur la côte, c'est toujours moins de pluie, plus de vent, plus de soleil, moins de gel. Ça fait souvent contraste avec les villes dans les terres. Hein. Alors, l'exemple que je prends le plus, c'est l'été, avec les brises de nord-ouest. Certes, c'est vrai que quand on a des brises de nord-ouest l'été, il fait beaucoup moins chaud sur le littoral que dans les terres, mais ça permet de dégager énormément le ciel, en fait, si vous voulez. Plus d'ensoleillement. La météo qu'on a, là, au moment où on se parle, toi, tu la perçois comment ? Là, c'est très couvert, très bâché. Malheureusement, vu les conditions anticycloniques qu'on a eues ces derniers jours, c'est un peu normal. Pourquoi ? Parce que quand on a un très puissant anticyclone, en fait, au-dessus de nos têtes, l'hiver, l'été, ça permet de dégager complètement le ciel. Mais l'hiver, le problème, c'est que l'humidité reste dans les bâches couches de l'atmosphère, ce qui donne des temps
très gris et très brumeux aussi. La météo qui te passionne, elle t'emmène à parfois veiller toute la nuit quand il y a des moments agités type tempête ? Complètement, oui. Complètement. Déjà, moi, j'aime bien suivre de moi-même tout ce que ces événements-là. Et j'aime bien aussi informer les gens déjà avant de ce qui va se passer et en direct de ce qui se passe. Même en pleine nuit, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui suivent ce qui se passe. Ce que j'aime bien, c'est du coup faire les prévisions pour ce qui va venir, faire des lives aussi quand il y a des événements pour répondre à des questions, des choses comme ça. J'aime bien aussi faire les débriefs des événements qui se sont passés, comme ça, ça permet de voir exactement ce qui s'est passé et ça permet à tous, même ceux qui n'habitent pas forcément là, de voir ce qui se passe ici, quoi. La météo a quand même beaucoup évolué depuis quelques temps, elle s'est affinée, elle est plus précise, on a mis des moyens pour. Maintenant, sur 3 jours, c'est relativement fiable. Alors, c'est toujours beaucoup plus fiable et ça le sera de plus en plus. Après, il y a toujours malheureusement des doutes, des incertitudes, des mauvaises prévisions. C'est très rare, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y a les indices de fiabilité, souvent, qui sont posés. Ça m'arrive quand je fais des tendances de la semaine, par exemple, de mettre toujours que « attention, en fin de semaine, ça sera toujours moins fiable qu'en début de semaine ». Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une fiabilité aussi bonne pour 24 heures après que pour 7 jours après, quoi. Quand on est fou de météo comme toi, on est surpris régulièrement par ce que nous envoient les éléments, le ciel. C'est peut-être plus agité qu'autrefois. Toi, depuis 2017, tu suis ça de près. Et tu vois, ne serait-ce que l'évolution aussi des températures qui sont chaque mois toujours au-dessus des moyennes. Bah, tous les mois, on bat des records quasiment. C'est ça, malheureusement, hein, maintenant. Tous les mois, on bat des records, et pas des records de froid, hein. Des records de chaud, et bien comme il faut. Donc, après, oui, c'est inquiétant, on va pas dire le contraire, ça, c'est clair et net. Rien qu'au niveau des phénomènes extrêmes, hein, quand on voit en 3 jours, en une semaine, on a eu 3 tempêtes, hein, Kiaran, Domingos et Federico, voilà, c'est ça. En une semaine, 3 tempêtes, c'est quand même pas trop mal, quoi. Surtout en octobre. En février, bon, c'est la période des tempêtes, entre guillemets, on va dire. Mais au mois d'octobre, c'est quand même très tôt dans la saison, quoi. Et ça, toi, quelque part, le passionné que tu es, est excité à l'approche de phénomènes un peu agités comme ça ? Ah bah complètement, oui. Enfin, ça, j'adore. Tu attends ça, quand ça. Bah, exactement, j'attends que ça. Là, quand c'est calme comme ça... C'est un peu morose. Voilà, quoi. On s'ennuie vite, entre guillemets, quoi. D'accord. Mais c'est vrai, quand c'est agité, au moins, on a de quoi faire, quoi. Et c'est à ce moment-là, pour ceux qui te suivent sur cette page Facebook, d'être connecté en direct avec les prévisions que tu leur donnes. C'est ça, c'est que ça soit à 11h, à 15h, à 17h, ou à minuit, ou à je ne sais quelle heure, on a toujours du monde, de toute façon. Quand il y a un événement, les gens suivent la page Facebook pour voir ce qui se passe, pour voir l'évolution des choses et pour voir aussi les conseils de prévention ou les choses comme ça, quoi. Et ta famille, tes proches, ils en pensent quoi de cet intérêt très fort que tu as pour la météo ? C'est pas compliqué, à chaque fois ils me demandent quel temps il va faire demain. Si je peux sortir mon linge ou pas. Et là t'as pas intérêt à te tromper. Ah non, 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 vaut mieux pas. Les followers de ta page Facebook t'ont offert un joli cadeau il y a quelques années. Ouais. Hein, il y a de quoi le souligner. Il s'agit carrément d'une station météo complètement professionnelle, hein, que tu as chez toi. Hein. Là, nous sommes toujours à Saint-Hilaire-de-Riez et Kevin habite juste à côté. Et là, ça te permet d'avoir ta propre station météo et de faire tes mesures de chez toi. Ça me permet de tout suivre en direct, en fait, au niveau du vent, au niveau des précipitations, au niveau de la pression atmosphérique, etc. Ça permet de tout suivre en direct. Alors, au niveau des prévisions, tout se fait sur Internet directement, hein, mais au niveau du suivi en direct, ça me permet d'avoir énormément de données en direct. Et des données qui sont également aussi disponibles sur Internet, tout le monde peut les voir, en fait. Thank you.
Kevin, pour ceux qui sont intéressés par la météo et par le littoral vendéen, c'est pas compliqué de rejoindre ta page Facebook, c'est Météo Côtière Vendée, c'est ça? Exactement. Vous allez sur Google, vous allez sur Internet, vous tapez Facebook, Météo Côtière Vendée. Voilà, vous faites un petit j'aime, un petit like et puis c'est parti quoi. Ok, et comme ça on devient follower et puis chaque soir on a les nouvelles prévisions que tu donnes pour tout notre littoral vendéen, c'est exactement, ça? Exactement, tous les soirs, environ vers 21h, 21h30, sauf exception, mais généralement 21h, 21h30, tous les soirs, les prévisions sur la page Facebook. Ok, mais super. Merci en tout cas Kevin de nous avoir fait partager cette passion que tu as pour la météo. Merci beaucoup. Et j'ai envie de te souhaiter bon vent pour la suite. Merci, bah merci à vous surtout. Merci. Et puis nous, on se retrouvera naturellement bientôt pour une autre émission des passionnés. Et ce sera toujours sur TV Vendée.